monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul, donc c'est parti, donc un haul action. Enfin avant, j'ai genre, mon frère il a été à Zeman, à Zeman, Zeman, ouais Zeman, et ça une petite pelote de 2 euros. Voilà, il n'y avait pas grand chose qui lui intéressait, du coup il a pris que cette couleur là. Il va voir pour faire des créations avec ça, enfin, verra bien. Ensuite, je suis allée dans rayon papeterie. Hein, tu peux pas ne pas y aller, quoi. Donc, oups, j'ai bougé un petit peu. Donc, j'ai pris ces modèles-là. C'est sympa. Ensuite, genre celui-là, il est trop beau. Des petits stickers, ça. Hein. Je sais plus si je l'ai dit, mais bon, vous l'aurez deviné. Avec une petite vache. Celui-là est trop beau. C'est plus ou moins sur le même thème. C'est quoi? Et après c'est pour les un peu les fêtes. C'est un peu festival, j'ai l'impression. Voilà. Donc ça c'est pas très très cher. Hein. De toute façon, à Action, il n'y a rien de très cher, j'ai envie de vous dire. Bon, pour rester dans la papeterie, j'ai vu ça. C'est des espèces de petits stickers, des petits carnets de stickers. Donc, celui-là. Je ne sais pas si je le tiens à l'endroit. Non. Celui-ci, je pense que c'est un peu thématisé, je pense. Je vais en ouvrir un après avec vous, mais comme ceci. Et comme là. Donc le bleu, il est comme ça. Il y a plein de petits de petits trucs mignons. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs. Elles sont trop cute. Genre, t'as même des trucs où tu peux écrire dessus et tout. Genre, il y a des lettres. Là, il y a les un peu festival, quoi. Enfin, plein de petits trucs. C'est trop beau. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Je sais pas si dans celui-là, c'est le même. Il y a un petit élastique et tout pour pas. Bon, je vais pas tous vous les montrer, mais c'est trop beau. C'était quoi ce qu'on a vu là? Et... Ouais, en gros, c'est un peu le thème violet, quoi. Il y a même des petits trucs pour écrire. Tu peux écrire dessus et tout pour tes... Si tu vous faites des bullet journal ou quoi. C'est trop beau. Ça se trouve pas loin des crayons, tout ça. C'est quoi, ça? Ah ouais, il y a Monday, Tuesday et tout. C'est trop canon. Bon, les autres, je pense que ça doit être pareil, mais c'est vrai que c'est magnifique. J'ai bougé un petit peu, c'est pas trop stable. C'est bien quand t'as genre t'as une copine qui fait des trucs comme ça, qui en a besoin, bah c'est super. Donc ensuite j'ai acheté un petit rangement box, enfin, un petit panier de rangement on va dire, pour mettre mes produits terminés genre. Ah bah ça passe nickel, super. J'avais peur que ça passe pas niveau dimension, mais ça va. Et après niveau bouffe, hop. Elle est loin celle-là, j'ai acheté l'aloe vera. Voilà. Bon, j'ai pris une grande bouteille. De toute façon, moi j'aime bien, donc ça va. Ouais, c'est 1,5 litre, quoi. Il y a de quoi faire. Ensuite, bon, pour rester dans la boisson, une Chupa Chups. Mon frère, il a voulu goûter ça. On verra bien ce que ça donne, hein, parce que c'est vrai que, bon, c'est le genre de choses. Et après, un Coca Vanille. J'ai jamais goûté Coca Vanille. J'ai déjà goûté Coca Cherry, je crois, mais je sais plus si j'ai aimé ou quoi. Après, les trucs gazeux, j'aime pas trop. Après, j'ai pris des sneakers Scripps. Je sais pas, ça avait l'air nouveau, alors je sais pas. Ensuite, il y avait des espèces de trucs de crunch. Ensuite, bah, j'ai pris du nougat. Je sais que mon père, il aime bien le nougat.
Ensuite, j'ai pris des Twix caramel salé. Je sais pas, on verra bien. Ensuite, j'ai trouvé des petites boules de cacahuètes enrobées de chocolat. C'est ce que je cherchais un petit peu l'autre fois. Mais là, j'ai trouvé ça. Bon, après, j'y regarde. Je regarde pas souvent. Mais... Voilà. Bah, sur ce, voilà, mes produits sont terminés. J'ai terminé de vous les présenter, du moins. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.